12 fruits d'aujourd'hui, on va tenter d'avoir le premier fruit du démon de tout Roblox. Je veux devenir le pirate ultime. Donc si tu crois en moi et à mon aventure, tu t'abonnes et tu likes. Ok, ok les amis, bon, alors là les mecs, on va commencer une petite aventure sur Roblox Fruit, c'est l'épisode numéro 1, et on doit commencer de façon très sérieuse. Bon, par contre, je sais toujours pas pourquoi j'ai des oreilles de lapin, ça il va falloir m'expliquer, je comprends pas. Mais en tout cas les mecs, regardez-moi ça, je possède un katana et je suis maîtrise 26. Bon oui, j'ai un petit peu farmé en solo, mais c'est pas non plus énorme. En tout cas, je vous le dis, mon objectif est de passer niveau 30 actuellement. Bon, je suis déjà niveau 29, à la moitié, logiquement si je prends des petites quêtes de singes, comme je suis en train de le faire, ça devrait être plutôt rapide, parce que là par exemple, je dois simplement vaincre 6 monkeys. En plus, regardez-moi ça. Non mais les mecs, regardez-moi comment j'ai farmé. Regardez-moi les attaques de 500 d'espace. Bon oui, si vous jouez à Roblox Fruit, vous trouvez ça ridicule. Oh mon gars, on se calme. Voilà, toi, je te découpe. Parce que oui, c'est clairement des attaques de base. Aujourd'hui, on n'a pas de fruits. Je suis en calbar. C'est même pas un calbar. C'est encore pire qu'un calbar. C'est du moulant. C'est du slim. Mais bon, il va falloir que je bouge. Parce que là, maîtrise 27 niveau de mon katana. Bientôt niveau 30. Après, le souci, les mecs, c'est que j'ai limite tout mis dans les épées en fait. Là, je suis clairement un épéiste. Niveau de mon fruit, pistolet et même la défense, je n'ai absolument nada. Donc je sais pas si vraiment j'ai fait, on va dire, le très bon choix en fait. Moi, je sais pas. J'ai vu un katana. Je me suis dit, voilà, ça flingue. Mais est-ce que c'est la bonne idée? J'en sais rien du tout. En tout cas, je vais tuer le dernier singe, les mecs. Et voilà, niveau 30. Oh, new quest. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc là? On va pister le bail et on va s'y rendre à 350 mètres. Bon, vous savez quoi, avant de faire des bêtises, on va quand même se mettre un peu de défense. Comme ça, on est niveau 10, on est pas mal. Bon, on va aller aux dealers de bateau. Bon, très bizarre d'appeler ça un dealer, mais en tout cas, on va prendre un petit bateau. On va prendre un bateau à 300$. Voilà, le boat, le goat. Allez, c'est parti, les mecs. On va à l'expédition. Bon, comme vous pouvez le constater à gauche, on a une genre de petite boussole et on va devoir se rendre exactement à 300 mètres. Bon, par contre, par pitié, dites-moi que voilà, quand je vais aller dans les 200 mètres, je vais pouvoir obtenir des boss de mon niveau. Et ça, ça me fait un peu peur. Oh là là, y a des bugs, y a des bugs qui se battent. Bon, attends, on va prendre une quête. Bon, on va affronter des pirates. Moi, je veux affronter des pirates. Et c'est le niveau. Oh mon dieu. Wesh, il faut pile être niveau 30. Après, regardez-moi ça. Y a un mec qui se bat. Non, oh, pardon, j'ai pas fait exprès. Pardon, je m'excuse. J'espère que c'est un mec courtois. Hein. Et on se calme. Hein. Voilà. Niveau 35. Mais attends, mais wesh. Moi, je veux niveau 30. Et comment ça niveau 35? Arrête. Calme-toi là. Oh. Vous savez quoi? C'est parti les mecs. On va tenter de l'affronter. Moi, je suis le boss. Moi, je suis un joueur Minecraft. Je sais battre. Donc fais pas le mariole, hein. Oula. Bon, frérot, c'est les miens. Frérot, on se calme. Pourquoi il a deux katanas? Mais moi aussi, j'en veux deux, moi. Ok, on le sèche. Let's go, les mecs. Mais fils de chien, j'ai pas eu mon pirate. Tu vas le payer, ça, hein, je te le dis, hein. En fait, je pense que c'est celui qui met le plus de dégâts au pirate qui obtient le pirate à la fin. Donc là, il faut clairement, voilà, qu'on se batte de façon optimale. Il faut que je mette des coups et que je recule. Là, c'est un travail stratégique. Voilà, et là, je le finis comme ça, et voilà. Le premier pirate. Et attendez, j'ai des items? Des matériels? Des matériaux plutôt? Des matériaux? Ils m'ont pris pourquoi? Pour un mécano, là? Mais quelle utilité d'avoir des boulons et des cisailles. Vas-y. Moi voilà, moi je suis un pirate, je dois être focus dans la piraterie. Je suis comme B2OBA. La piraterie n'est jamais finie les frères. Regardez-moi comment je le sèche. Un vrai pirate. Oula, il faut que je fasse gaffe. Oh mon dieu. Il faut que je reste humble. Un vrai pirate les amis, c'est quelqu'un de humble. Donc par exemple là, on va attendre pour régène. Du coup, reviens là, petit garnement. Wow. Voilà. Et franchement, être un pirate ça flingue de ouf. En fait, il faut juste jouer de façon stratégique. On lui envoie des tatanes, on met les attaques et on se barre. Bon, je sais pas si c'est être un pirate ou être un faible. Wow, tu fais quoi mon gars? C'est mon pirate. C'est le mien. Arrête. Ça va, je l'ai eu. C'est le mien. Tu captes ou pas? En fait, il faut le finir. C'est celui qui le finit qui a gagné. Donc là, je le finis. Et voilà, il m'aide. Ah, ça t'embouche un coin le schtroumpf, hein. T'as la haine, hein. En fait, regardez-moi ça. J'attends qu'il le tape. Et après, je mets mon pouvoir. Je mets mon ultime maintenant, là. Allez vite, je termine. Voilà, il me l'a volé. Petit chien de schtroumpf, hein. Il est pas drôle, hein. En fait, là, je suis en train de me battre contre deux personnes. En fait, faut que je fasse ça et boum. Oui, allez, c'est bon, je peux l'avoir. Mais oh, il est chiant. Une petite boutique avec des sword dealers. Qu'est-ce qu'il a me proposé avec son gel level d'op? Un double katana. 12 000$, mais évidemment mon gars. Du coup là je peux l'équiper. Est-ce qu'il est beaucoup plus fort? Ah oui, mais par contre le problème, le gros souci, c'est qu'il est niveau 1 maintenant. Après au moins regardez-moi ça, j'ai un tourbillon. Après non mais attendez, est-ce que je fais mal au moins? C'est bien cool de l'avoir, mais bon, si je fais moins mal qu'avant, est-ce que c'est rentable? Mais ouais, c'est même pas rentable. Il faut que j'aille frapper des monkeys là. Oh si je meurs, je pète mon crâne ma libellule. Oh si je meurs, il va me le voler le chien. Oh je peux lui voler ou pas? Oui je peux lui voler. Je vais pas voler. Allez vas-y, il faut que je le tue lui. Fou, au moins je l'ai eu. Oh déjà maîtrise de niveau 4. Oh. En fait il faut que je tente de lui voler des bails. On va dire que je l'aide. Ah, il est malin quand même, hein. Il attend le dernier moment, le petit filoutubes, hein. Mais c'est moi qui l'ai eu, hein. Du coup, attendez. Est-ce qu'il y a d'autres choses à aller observer? Parce que là, il y a le mec qui donne les quêtes. C'est bien cool, mais attendez. Déjà, attendez, les amis. On va aller voir l'autre arme. La masse de fer, elle coûte combien? 25. Oh non, mais je suis bête. Je pense que j'aurais dû attendre pour l'avoir. J'aurais peut-être dû un petit peu plus farmer. En tout cas, c'est pas grave parce que regardez-moi ça. On va tuer des pirates et on va être Gucci, les mecs. Bon, sauf s'ils me volent tout. Ça va être un peu chiant. Mais clairement, je pense que si on lui tourne
tourne autour, ça le fait. Voilà, on le découpe. Ah là là, je commence à le mougou. En fait, si je branche mon cerveau, si mon cerveau est branché en HDMI et pas en prise de jack, c'est bon. Oh là là, regardez-moi. La hagla. Eh, tu me le voles pas, c'est mon dernier, hein. C'est le mien, hein. Petit chien, il m'a tué. Oula, je. Attends, les frérots, je viens de passer 3 niveaux là. Wesh. Eh, vous savez quoi? Que des points dans les épées, les mecs. 61. Oh là 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 là. Donc là, mais ouais, je vais lui mettre des tartes de cowboy. De toute façon, je vous le dis, je veux farmer ma deuxième épée. Arrête de me voler mes trucs là. Mais oh. Bon, aussi, il faut que je prenne une quête, sinon malheureusement, on va pas aller loin. Pirate. Moi, malheureusement, les mecs, je peux simplement, je pense, battre des pirates. Les autres, on va éviter de les frapper, quoi. Je peux le tuer, lui, maintenant. Mais bien sûr. Ah non, je suis. Bah non, pardon. Je dis n'importe quoi. Et là, le dernier, les mecs, on va le chevaucher. Et voilà. On vient de re-XP, les mecs. Et en tout cas, je viens d'obtenir du cuir. Donc, je pense clairement qu'on va pouvoir se crafter des choses, hein. Comme des chapeaux ou d'autres choses. Bon, ça, je pense que c'est les brutes. Frère, on va se calmer. Niveau 45, on reste digne. En tout cas, j'ai 6 nouveaux points. On va les mettre. Moi, je suis un barbare, les mecs. Moi, je suis clairement une brute. De toute façon, vous savez quoi? Moi, je vais explorer les zones. Il faut que je me barre. Il faut que j'aille voir s'il n'y a pas d'autres choses à faire. Voilà, je sais même pas si c'est mon bateau, mais en tout cas, je le chope. Parce que bon, les mecs, niveau 16 d'armes et niveau 35. Là, je pense clairement qu'on peut aller observer des genres de contrées obscures. Après, bon, si je galère dans cette zone, je pense que le plus intelligent serait de farmer ici. Mais moi, je suis un vaillant, un pirate ultime. Donc, je dois me barrer. C'est quoi ici? Un petit désert. Un petit désert en plein milieu de l'eau. Moi, j'aimerais mettre dans ce désert. Hein. Ah, ils proposent des. Bon, oui, bon. Ils ont beau proposer des quêtes. Si les petits bonhommes, c'est des cactus de niveau 499 000, je pense pas que c'est ouf, hein. C'est qui eux? 60! Oh les bandits! Oh les banditos! Eh, mais après, en vrai, ça va, 60, non? Est-ce que je pourrais pas le mougou? Le désert bandit. Vous savez quoi, les mecs? On va tenter. C'est parti! Ok, il faut que je sois intelligent. Il faut que je le frappe et que je recule. Waouh, 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 il met du 25 par 25, je crois. Ok, il faut que je joue intelligemment. Je peux le mougou si je joue intelligemment. Je peux le détruire. Vous savez quoi? Je vais accepter la quête. Non, 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 non! Oh, je suis bête! Non! Je suis vraiment quelqu'un d'idiot, moi. Moi, vraiment, je pense que vous prenez un idiot et un autre idiot, vous faisiez une fusion et c'est moi. Oh, mais il reste à son nombre d'HP. Il met du 40 par 40. En tout cas, il y a des coffres, on va les ramasser. Hein. Au moins, on est sûr d'optimiser nos gains. On est sûr de ne pas rien gagner, au moins. Est-ce que je peux accepter ma quête sans qu'il me bute? Et oui, je peux le faire. Alors, vous, les cocos, combien de niveaux? Ah, mais il faut être niveau 60. Mais c'est pas cool. Pour la peine, viens te battre. Je vais le défoncer et après, je me barre. Avec moi, on ne fait pas le malin. Et ça, tu vas commencer à le découvrir. Donc, tu dégages. Mince, j'étais pas bien orienté. Par contre, je trouve ça vraiment horrible de régène en aussi peu. Ça prend des années, des années. Je vous le dis, les mecs, si je passe pas niveau 36 sur ce boss là, je pète mon crâne. Parce que là, bon, il est quand même assez coriace, hein. Ok, je le détruis. C'est quoi ce désastre? C'est même pas rentable. Vas-y, moi je bouge, je dégage. Moi il faut que j'aille retaper les bails là-bas. Donc on retourne au bercail. Et il faut aussi que je trouve l'endroit pour aller acheter des fruits. Parce que bon, One Piece, l'objectif c'est un peu d'avoir des genres de fruits du démon. Je sais pas ce que je peux posséder en ma possession, mais je pense qu'avec 20 000 $ on peut acheter des sacrées choses. Parce que dans la vraie vie, avec 20 000 $ on peut acheter quand même des sacrées bagnoles. Donc là je pense que c'est pareil au niveau des fruits. En tout cas, avoir affronté un petit boss de niveau 60. Ça m'a fait prendre expérience. Ça m'a fait prendre en maturité. Maintenant, je sais ce dont je suis capable et ce dont je suis plus capable. Eh, mais attendez, c'est même pas l'endroit de. C'est pas l'endroit de tout à l'heure, ça. C'est quoi cet endroit bizarre? Un weapon dealer. T'as quoi à me proposer? Un lance-pierre. Bah non, mais c'est nul, ça. Bon, frérot. Mais what? Mais va te faire foutre. Comment ça, des silex? Oh, c'est qui lui? 1680 $. Jaji Yoko Koko. Quoi? Oh, ça veut dire que si je le bute, c'est lui. Est-ce que c'est lui? Viens là, mon gars. Il faut que je prenne mon épée. Il est où, là? Mais wesh, mais quoi? Bon, je pense que le tuer, ça va être complexe. Bon, bah ici, à part prendre des coffres, je sais pas quoi faire, hein. Et moi, il faut que je retrouve l'endroit de tout à l'heure. Parce que là, c'est bien cool, mais bon, il me propose des cailloux et des silex. Je suis quoi, moi, un homme de Cro-Magnon? Allez, c'est parti, les mecs. Ah, je crois que c'était là-bas. Bon. Est-ce qu'il y a encore des. Oh non, mais il est chiant, le schtroumpf, là. Il me vole mon rinté. Non. Pas les brutes. On va prendre les pirates. Bon, est-ce que je me suis amélioré, moi? La réponse est. Bof. Mais wesh, c'est qui lui, là? Wesh, c'est quoi ses pouvoirs? On se calme, mon gars, hein. Tu te calmes, hein. Oh, le chapeau. Oh, mais on se calme. Oh, le flexeur. Oh, comment il se la pète? Moi, je suis là pour farmer, je suis pas là pour flex, moi. Hein. On n'est pas dans Mister France ici, hein. On n'est pas là pour faire des concours de mannequinat, hein. Oh, c'était lui. C'était lui le mec qui avait un truc sur sa tronche. Il faut que je lui fasse un guet-apens. Alors là, je vais mettre de l'épée, je vais le détruire. Et je peux pas le détruire. Ah, il est mort récemment. Je suis pas fier de toi, hein. Il s'est fait tuer par un autre mec. Après bon, 1600 $ sur la tronche aussi. Bon, par contre, frérot, c'est le mien, lui. Il lui met des mandales de daron dans la bouche, là. Ah oui, il l'a séché, là. Voilà, c'est moi qui l'ai. C'est le mien. Mais wesh, il vient de le. Mais quoi? Mais wesh, il vient de me le détruire. T'es vraiment pas cool, hein. Mais comment voulez-vous farmer quand c'est comme ça, là? J'ai l'impression qu'on se partage les miettes de pain. Mais arrête de. Arrête! Stop! Mais le mec, il est niveau 499 millions. Il a des pouvoirs de glace. Il me vole mes trucs. No. Je vais dire big cringe. You stole mine. Et voilà les mecs, je me suis barré. C'est bon. Il y en a marre des mecs qui pensent qu'à leur bouche là. Bon, par contre, ce qui est chiant, c'est que ça a reset ma mission. Donc ça, c'est pas cool. Et voilà, le dernier les mecs. Bon. Non, mais attendez. Me dites pas qu'il me manque simplement, 700 $. Et oui, si. C'est pas cool, hein. Bon, par contre, j'ai un peu réfléchi et je pense que clairement mettre de la défense, c'est très, très, très utile. Je pense que c'est la régène la défense, non? C'est rien. Mais attendez les mecs. Si je prends ce petit coffre, est-ce que je vais posséder les 30 000. Oh, 25 000 dollars, let's go! Parce que le problème, c'est que dès que j'achète une nouvelle épée, je dois la re-XP en fait. Donc là, autant l'acheter au plus vite. Voilà, une massue! Alors là,
là les frères, elle va mettre de sacrées tatanes. C'est quoi ces flexeurs là? Et what? Et regardez-moi ce flexeur, il va me voler mon truc. Mais wesh, le mec il met des tatanes de cowboy, il fight des mecs qui sont pas de son niveau. Laisse-les. Ah mais c'est moi qui fais ça. Attendez, 1, 2 et 3. What? C'est moi qui mets des grosses torgnoles. Oh les tartes de cowboy. Je suis Lucky Luke là. What? Arrête, on se calme toi. Wow, mais c'est trop fort et là boum. Déjà maîtrise niveau 7 quand même hein. Ça va vite hein. Oh je le kiffe. Oh je peux fight les deux en même temps. Oh là là. Les tarnioles. Ouais c'est trop plaisant. Oh je suis en plein kiff. Tu fais le malin et boum. C'est trop cheaté frère. Mais regardez, j'en fight 3 en même temps tellement j'en ai rien à faire. Boum. Oh le kiff. Oh là là, mon dieu. Oh les tatanes frère. Boum. Oh là 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 là. On les monte en l'air et boum. Il me propose une nouvelle quête là. Oh. Bon par contre on est toujours d'accord que c'est considéré comme une épée. C'est pas autre chose. On va prendre le risque de, voilà, d'améliorer l'épée. De toute façon, dites-moi en commentaire ce que je dois améliorer. C'est qui lui là? Je peux l'affronter ou pas lui? Parce qu'attends, honneur 14 000. C'est qui ce type? Ouais. En tout cas, il nous propose une nouvelle mission. Et on va y aller, les amis. Allez, rends-moi mon bateau. C'est y part. Droit devant, les mecs. Ah bah non, mais non. Ils m'ont. Non, mais je suis bête. Je suis un idiot du village. Il m'indique simplement une nouvelle quête. Donc là, logiquement, on va pouvoir prendre les petites brutes parce qu'on est niveau 40. Oh là, les brutes, on va les mougou. On va les défoncer. Bon, de toute façon, vu que j'ai déjà réussi à défoncer le niveau 60, bon, j'ai eu certains peu de mal. Mais je l'ai fait quand même. Donc toi, tu viens ici et boum. Oula, ça va quand même être un petit peu coriace, hein. Non mais c'est bon, il est passé par-dessus bord. Frérot, on se calme, hein. Oh la merde. En fait, ce qui est trop fort, c'est que ça le met, on va dire, dans les vapes. Donc j'ai le temps de le canarder, en fait. Là, je peux faire ça et boum. Oula, pourquoi j'ai une odeur nauséabonde qui émane de mon corps quand je fais ça, là. On va dire que c'est l'herbe, hein. On va pas dire que c'est moi. 22 000 XP quand même, hein. Attendez, les mecs, c'est tous les trois coups. Attendez, on va faire un test. 1, 2 et 3. Ah bah super, soleil, je suis mort. Mais c'est pas grave parce qu'on revient. Ouh, par contre, c'est complexe, hein. Oh, si je fais vraiment le mariole, je meurs, en fait. Ah bah super, je suis encore mort. Et la dernière brute qu'on peut affronter, les mecs. Et attendez, est-ce qu'on va la voir? Et voilà. Niveau 42 quand même, hein. Et bientôt maîtrise 19. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on gagne plein de points, mais le problème, c'est que c'est toujours compliqué à les tuer. Oh, je viens de trouver quelqu'un, un genre de forgeron pour augmenter mes épées. Ah, ok, c'est donc à ça que ça sert. En fait, là, si j'obtiens 10 cuirs ainsi que 10 ailes, je peux, on va dire, augmenter ma masse de fer. Et elle a plus 30 de damage. Bon, le problème, c'est que bon, ça prend, je pense, beaucoup de temps pour l'obtenir. Et je pense que lui, voilà, il peut pas me donner d'autres choses. Est-ce que maintenant je les mougou de ouf maintenant? Bon, c'est toujours comme tout à l'heure, hein. Je vois pas de réelle différence. Je les détruis bien. On va dire que c'est facile. Oh les mecs, je viens de découvrir une stratégie de tarlé fou. En fait, j'ai simplement à le taper à distance et je vais le tuer en fait. Je fais ça. Ça prend plus de temps, mais au moins je prends aucun dégât. Oh là là, les mecs, je viens de débloquer le combo tueur. Donc attendez, les mecs, si je lui mets une patate et la boum. Oh, c'est de la merde. C'est trop nul. C'est même pas rentable. C'est quoi cette calomnie là? Bon, pff. En tout cas, ce qui est cool, c'est que j'ai pris un petit booster x2 niveau XP. Comme ça, on XP plus, ce qui est totalement logique en fait. Oh là, 9 bails à mettre. Oh là, mais moi je suis un barbare, les mecs. Oh là là, regardez-moi les tatanes de Boboy que je lui mets. Oh là 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 là, 1000 d'XP. Niveau 52 quand même, hein. Et je viens de passer le petit niveau 55, les amis. Du coup, comme d'habitude, hop là, on met tout dans l'épée. Et là, on va débloquer Bobby. Bon, je pense que c'est un perso de One Piece assez quand même puissant. Et donc, si je dis pas de bêtises, les Bobby, bah c'est. Bah il faut les trouver. Mais je crois qu'il ressemble à un clown, non? Voilà, c'est lui, Bobby, non? Voilà, Bobby. Mais lui, il va être facile s'il attaque pas comme les autres. Pouh, alors, regardez-moi la facilité du boog. Allez, viens là. Oh, je dois en vaincre qu'un seul. Oh, let's go. Ah, mais parce qu'il est considéré comme un boss, le bon vieux Bobby. Oh, mais on va gagner trop d'XP, du coup, là, ça va être trop facile. Oh là là, avec le boost d'XP, on va être tellement riche, les mecs. Oula, par contre, il découpe le boog, hein. Mais logiquement, les mecs, si on le prend de loin et qu'on fait que de taper dans le vide, ça devrait le faire. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il a un genre de laser de temps en temps. Oh, un petit coffre, cool. Merci. Oh là là, les mecs, qui va mourir entre lui et moi? Parce que là, c'est le combat final. Ok, voilà, il l'a usé. Vite, il faut que je termine. Vite, voilà. Oh là 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 là. L'XP tard les fous de ouf. Oh mon dieu. Wesh. Je suis limite niveau 60. Je tue au limite niveau 60, les mecs. Mais on va pas ce niveau 60, j'en ai rien à foutre, hein. Voilà, les pirates, vous me donnez le niveau 60. Oula, finalement, ça peut être un petit peu long quand même, hein. Ouais, oula. On va rester sur les appuis. Il faut que. Quoi? 12 de. Mais. Eh là, les mecs, je suis sûr que je fais une bêtise. Mettre autant de ça. Mais arrête, mets-toi des blays. Laisse-moi. Arrête. Bon, allez, c'est bon, je prends Bobby, moi. Même si tu me tues, c'est pas grave. Arrête ça, je t'ai dit. Moi, je dois aller tuer les Bobby. Par contre, c'est moi où il y a que un Bobby par un Bobby. Pourquoi il y a pas plusieurs Bobby? Where is Bobby? Où es-tu, Bobby? Où te caches-tu? Je sais que t'as peur, mais t'inquiète pas. Tu dois passer par cette épreuve. Oh, c'est quoi ce coffre là? Ce qu'il est cool. Attendez, il donne combien? Bah oh, 2300 XP quand même, hein. Enfin, 2 dollars. Oh, Bobby, t'es où là? Me dis pas que tu te caches. Bah nickel, je crois qu'il a un peu peur. Et bah super, moi qui pensais rentabiliser de zinzin de l'espace mon boost d'XP, bah non. Bon bah en attendant, on va prendre des petits coffres, hein. J'ai que ça à faire, les mecs, hein. Et on va tabasser des pirates. Bon bah au moins on passe niveau 30 grâce aux pirates, hein. C'est cool, hein. Vous savez quoi, moi j'ai passé l'âge, on va abandonner la quête de Bobby. Je vais m'acheter un
petit bateau à 1000$ parce qu'on commence à être riche quand même. Quoi? Attendez les frères, oh, j'ai la thune. Ah voilà, enfin un bateau à mon effigie. Du coup on va se rendre où les mecs? Là là là, j'ai envie de me rendre là-bas. Je pense que là-bas niveau de la petite fontaine ça peut le faire, ça peut être cool. Parce que bon, le problème c'est que mon boost d'XP il se termine dans 3 minutes. J'ai un petit peu envie de le rentabiliser, même si je pense que c'est finito pipo. Oh le désert, mais oui, on va aller ici finalement. En plus je crois, si je dis pas de bêtises, niveau 60 je peux prendre les quêtes. Allez hop, me voici, me voilà. J'arrive les mecs. Allez, faut que je me dépêche. Allez, donne-moi la quête. Vite, bandito. Voilà, confirmé, c'est bon, je peux le prendre. Allez, venez ici les mecs. Voilà, viens te battre. Bon, il faut que je fasse gaffe parce qu'il fait quand même pas mal de dégâts. Bon, par contre, je pense quand tu es 8, c'est un petit peu mort. Je pense que là, bon. Après, je peux en tuer d'hommes. Oh, je peux en tuer à plein en même temps. Attendez. On va faire des wombo combos les mecs. Oh mon dieu. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis assez fort pour ça? Aïe aïe aïe, ça peut faire mal par contre, ils sont beaucoup. Oh là là, oh là là. Il faut que je les tape tous en même temps. Il faut que je termine dans 2 minutes les mecs. Je peux le faire. Dès qu'il y en a un qui respawn, je vais le frapper. Oh là là, mais je suis tellement puissant les mecs. Vite, respawnez les mecs, respawnez, respawnez. Allez là. On se dépêche. Faut pas que je meure par contre, hein. Allez, toi tu viens ici, toi. Voilà. Allez, vous venez tous. Là, là c'est bon, ils sont 4. Il me reste 2 minutes. Je peux le faire. Allez, toi tu viens là, là. Allez, allez, toi aussi tu viens là. Mais venez. Et viens. En vrai, ça peut le faire. Je peux le faire les mecs. Ça peut être historique. Il faut juste que je meure pas. En vrai, je meurs pas et je les tape de loin et c'est bon. Plus qu'une minute 50. Oui, je peux le faire, oui. C'est maintenant les mecs. C'est maintenant. Oh, let's go. Oh là là, je suis Rainbow. Niveau 64. Oh là là, je suis tellement Gucci Gucci. On va remettre dans l'épée, hein. C'est, je suis obligé, hein. Bon là, je pense que bon, allez regratter une nouvelle quête. Je pense que c'est mort. Oh, attendez, il reste 38 secondes les mecs. Est-ce que je peux le faire? Mais je pense que je peux le faire en plus. Oh là là, vite. Allez, il faut juste que je meure pas et c'est bon. Je mets des attaques et je peux le faire. Allez, 20 secondes. Non, vous séparez pas les mecs. 20 secondes. J'ai pas d'HP, j'ai plus d'HP. Il est où le mec? Il est où? Ils sont là. Allez, 7 secondes. Let's go. Oh là là, c'est magnifique ce qu'on est en train de faire. C'est beau. C'est beautiful. Oh. C'est moi qui est ici. Ah ouais, par contre le mec qui me tue il gagne un kebab. Il peut même pas s'acheter une PS5 le pauvre, miskina. Il peut s'acheter une PS4 et c'est tout. Mais du coup ça c'est bien cool, mais où est-ce que je peux posséder des petits, bah des petits fruits? Parce que moi j'ai quand même envie d'avoir un fruit moi. Vous savez quoi, on va se balader pour voir s'il y a pas des fruits. Oh, est-ce que ce serait pas ici? Ça fait très endroit, ça me fait penser au spawn en fait ici, un sword dealer. Oh, let's go. Ok, donc ici il y a les fruits. Oh là 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 là, je peux acheter la bombe, la fumée à 100 000. Est-ce qu'on tenterait pas de farmer les 100 000 dollars pour avoir le fruit de la fumée? Bon, je vous l'accorde, je préfère avoir le bail de bombe. Mais vu qu'il coûte plus cher, moi je suis quelqu'un qui pense à ce genre de choses. Pour moi, si c'est plus cher, c'est forcément mieux. Alors que pas forcément, pas du tout. Après, comment je pourrais avoir 100 000 dollars ici? Bon, je pense pas que c'est faisable. Bon, je gagne 80 dollars par 80 dollars, c'est pas ouf. Eh, vous savez quoi? On a qu'une vie, les mecs. Je vais prendre la fumée. Allez, enfin, plutôt les bombes. Qu'est-ce que je raconte? Vous savez quoi? Affiché, je peux le prendre ou pas? Allez, hop, on le dépense. Et voilà. Oh là là. Si je l'équipe, il se passe quoi? Ok. Donc là, ça me fait, on va dire, un nouveau bail d'attaque. Et du coup, attendez, si j'appuie sur W, boum. C'est trop nul. C'est trop nul. Bah, c'est quoi l'utilité d'avoir un fruit comme ça? Bah, c'est peut-être pour faire de la stratégie, on est d'accord, mais si je one-shot pas les boss là, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. Après, je pense qu'il faut, que je m'en serve comme, comment dire, comme deuxième arme. Je le fais bam, et là je prends ma truc et boum. Bon, je pense pas que c'est un réel investissement de, zinzin là. Parce que 80 000, c'est quand même beaucoup, hein. Après, bon, il est que niveau 1. Mais bon, je suis déçu quand même. Je m'attendais quand même à one-shot des boss de niveau 5. Et voilà, les amis, n'oubliez pas de me bombarder les commentaires et de me conseiller sur Blockfruit. C'était Lined. Ciao les mecs. C'est Lined et Shawen. Tu t'abonnes et tu likes, donc partage à tous tes potes, ou bien même à ta daronne. C'est Lined et Shawen, c'est Lined et Shawen. Tu t'abonnes et tu likes, sinon je te mets une steak.